Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo image par image où on va analyser un clip d'animation. C'est un film qui s'appelle Soul of You et qui a été réalisé par Ryan Woodward vers 2010 je pense, et qui est une animation qui est très touchante et qui en même temps permet vraiment d'apprendre pas mal de choses sur les principes de l'animation parce qu'elle est très simple en apparence, c'est-à-dire que c'est un plan fixe avec deux personnages qui dansent et toutes les émotions vont passer par le mouvement, par la danse, puisqu'il n'y a pas d'expression de leur visage puisqu'ils ont juste pas de visage. C'est vraiment une performance animée avec deux danseurs qui racontent une histoire d'amour. Ryan Woodward, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de l'animation et qui travaille toujours d'ailleurs, et il a en gros deux spécialités. La première, c'est les animations d'effets, de particules, de liquides, de fumée, d'explosions. Tout ce qui n'est pas de l'animation de personnages, donc ça peut être de l'herbe qui bouge, comme une goutte d'eau qui tombe dans un verre. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans pour faire ça dans les films d'animation. Et sa deuxième spécialité, c'est le storyboard, c'est-à-dire ce qui est avant la mise en place du film. Il a notamment fait les storyboards pour Cowboy et Envahisseur, pour Spider-Man 2, bref, plein de storyboards et d'animatiques pour raconter des histoires, donc il est très très fort en termes de narration et de composition. Et sur cette animation là, il a justement décidé de partir sur quelque chose de différent pour faire surtout passer des émotions à travers le mouvement. Dans le making of de ce film là, que je vous mets aussi en lien en description et dans les fiches, on peut voir comment est-ce qu'il a eu cette idée. On peut voir au départ qu'il avait juste envie de faire une animation par rapport à une musique qu'il a entendue et qui lui a procuré un certain sentiment, et qu'il a ensuite petit à petit mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire son animation, avec la partie principale qui était la danse, parce qu'il n'est pas du tout danseur au départ. Il a donc fait appel à une chorégraphe qui s'appelle Kori Watamatsu et avec laquelle il a travaillé justement pour construire cette animation et cette danse. Ils ont travaillé tous les deux avec plusieurs danseurs qui ont pu aussi apporter leurs idées par rapport à tel ou tel moment de l'animation. Et ça montre quelque chose d'intéressant par rapport à cet art qu'est l'animation, parce que justement il aurait pu juste filmer une performance de danse et devenir chorégraphe pour ce projet-là, mais il a vraiment décidé de le faire en animation parce que ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles dans la réalité. Ça montre vraiment l'importance des références et de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir transcender ces références-là. Il était sur place pour voir la performance des danseurs, mais il était aussi justement en train de filmer tout ça pour avoir des références filmiques, des vidéos sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour faire son animation. Et on peut voir par exemple que ce mouvement-là qui a été filmé et qui a été fait par les danseurs a été retranscrit de cette façon-là dans l'animation. Le parti pris graphique de cette animation me parle beaucoup parce que tout est en esquisse, tout est presque dessiné comme au fusain, même si c'est fait sur ordinateur. Et surtout, ce qui est vachement intéressant dans cette animation-là et qui en fait une sorte de matériau super fort pour pouvoir apprendre l'animation, c'est que tout est visible. Je parlais des arcs d'animation dans une précédente vidéo analyse, c'est justement un des principes forts de l'animation qui est que tout mouvement doit suivre un arc, c'est-à-dire typiquement ici, on voit vraiment l'arc qui est tracé et la tête du personnage qui suit cet arc. Donc à travers cette animation, on peut voir vraiment comment est construit un mouvement. Et comment aussi est construit un personnage, puisqu'on peut voir littéralement la structure du personnage en dessous de son dessin. Et surtout dans les mouvements, il va souvent ajouter une déformation très très prononcée comme ici, où on voit que sur cette image là, il y a la main qui est bien dessinée, sur cette image de fin également, mais entre les deux, il y a vraiment la main qui va se multiplier pour faire ce mouvement assez gracieux. Et comme d'habitude, ça suit un arc. Et ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la déformation du corps qui n'est pas possible avec des danseurs humains, il y a un mouvement qui est certainement repris sur les danseurs, mais il rajoute pas mal d'effets justement, et comme j'avais dit tout à l'heure, il est spécialisé dans tout ce qui est explosion, liquide, fumée, ce genre de choses. Donc il rajoute des particules comme là, où il y a un bout de son bras qui se détache et qui va disparaître petit à petit. Et tout ça rajoute beaucoup de vie à son animation. Là vous pouvez voir que ces particules de fumée se désintègrent petit à petit. Et j'aime beaucoup ici le petit mouvement de vague sur ses mains. Et sur certaines images justement, le personnage il est beaucoup moins défini, par exemple ici c'est beaucoup plus abstrait que sur cette image là par exemple. Il y a des mouvements qui sont assez complexes dans cette animation là, et justement les dessiner image par image c'est quelque chose de très compliqué. On voit dans le making of justement qu'il dit que voilà, il y a 2 minutes 30 d'animation à 24 images par seconde et que ça fait des milliers de dessins à faire un par un. Et on voit aussi dans le making of comment est-ce qu'il a décomposé ses poses en différents calques sur son logiciel, et pour chaque calque il met une couleur différente histoire de pouvoir les dissocier et de ne pas juste avoir un amas de formes qu'il ne pourra pas comprendre. Tout ça c'est durant le processus de création de l'animation, on va différencier comme ça les différentes zones pour pouvoir les travailler tranquillement, indépendamment les unes des autres, et pouvoir rester organisé, c'est très important. Dans la symbolique de l'animation, il y a aussi pas mal de choses qui sont utilisées, comme par exemple l'étirement du membre. Donc tout ça, c'est des symboles qui pour lui signifient quelque chose dans l'histoire justement entre ces deux personnages. Il y a beaucoup de jeux sur les personnages qui s'échappent l'un à l'autre et qui essayent en permanence de retourner vers l'autre sans forcément y arriver. Là, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est l'animation d'une sorte d'explosion. Donc là, il n'y a pas d'éclair, un éclair de lumière qui varie sur cette image-là, qui devient des faisceaux lumineux sur cette image-là. Ensuite, seulement la sphère arrive, se décompose et l'explosion finale. Vous voyez ici que le personnage, il est complètement déformé par cette explosion. Et tout ça, bien sûr, passe très très vite quand on le met à vitesse réelle. Et juste à la fin de cette explosion, où son corps est monté très rapidement ici, on va voir qu'il va ralentir, et ça va être un mouvement très très subtil, jusqu'à ce qu'il tombe sur le sol.
Il y a pas mal de jeux sur le rythme de l'animation aussi, où il va y avoir des ralentis et des accélérés. J'aime particulièrement ce moment-là, où il va se lever à nouveau et que cette fois-ci ses bras vont être comme très lourds et vont s'étendre sur le sol. Rien qu'ici, on sent vraiment le mouvement qui est pas du tout normal de sa jambe. Son corps devient très mou, et justement avec ça, il va pouvoir jouer sur le poids. Il y a vraiment toute une affaire de contraste entre ce qui va vite, ce qui va lentement, ce qui est lourd, ce qui est léger, ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Ici, on arrive sur la dernière minute de l'animation et on voit encore un symbole fort avec la femme qui a des ailes. Et justement, il disait que ce mouvement, il l'aimait bien mais qu'il manquait quelque chose, donc il a rajouté les petits effets de plumes qui sortent des ailes. C'est intéressant parce qu'au lieu de mettre des traits de mouvement autour du personnage, les traits de mouvement vont être faits directement par les membres du personnage qui vont complètement se liquéfier quelque part. Encore une fois, il essaye de l'attraper mais il n'y arrive pas. Donc on voit qu'elle va beaucoup plus vite que lui et que lui il est juste en train de se recroqueviller doucement. Et là on arrive sur la danse finale entre les deux personnages qui est l'un des moments les plus beaux je pense dans tout le film. Avec des petites explosions ici qui sont certainement les explosions de bonheur des deux personnages. Et ensuite à la fin de l'histoire, leurs mains qui s'étreignent une dernière fois, la relâchent avec les petites explosions, avec justement le personnage qui s'en va, qui sort du cadre alors que personne n'était jamais sorti du cadre jusque là. Et la dernière position de la femme qui se met complètement en boule. Et justement on finit sur une forme comme ça, ce qui n'est jamais vraiment arrivé dans le film. En bref, c'est une animation qui me parle beaucoup, autant dans le style graphique que dans les mouvements, que dans l'histoire que ça raconte. Il y a aussi un lien fort avec la musique, que j'ai pas pu mettre ici, mais je vous mets un lien justement pour aller voir le film en entier avec la musique. Je vous invite vraiment à télécharger cette vidéo pour pouvoir ensuite regarder image par image et apprendre plein de choses sur comment faire des mouvements en animation. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois en analyse de film, d'animation, de séquences, de scènes, bref, un truc que je pourrais décortiquer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.